Bonjour et bienvenue, on va faire du Muspelheim. On va finir Muspelheim. Donc on est à 12 sur 15. Il faut faire des ordres en fait. Différentes choses dans l'ordre. NF. FR. Je sais pas ce qu'on a fait. Il n'y a pas d'aide ou alors je suis bête. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui nous indique ce qu'on a déjà fait? Si je comprends pas. Je comprends pas. Je sais qu'on a fait droite, gauche, gauche, droite. Je sais pas. On va faire droite, milieu. Je sais pas. J'espère en plus si c'est pas par rapport aux épreuves là, genre. Hors du cercle, allez. Commence. Pas méga chaud. Sur ta gauche. Droguer, sur la gauche. On est bon. Il y en a partout. Qu'est-ce qu'elle fait mal cette lance quand même? Derrière toi! Derrière toi! Prends garde! On a gagné ou pas? Ouais, non, si. Je comprends pas vraiment ce système en fait. Faut pas que la barre elle soit pleine, faut pas qu'il ait le temps de la charger en fait. Ah, ça va être que du combat cet épisode. On a fait droite,
Ou alors le 1 à droite, j'en sais rien. Je sais pas comment ça fonctionne. Faut faire juste deux épreuves. Juste deux épreuves. Ah non, faut faire qu'une seule par par épée. Je comprends rien. Je vais être con. Pas grave. Je pense que c'est par épée et le 1, 2 ou 3 en fait. Nourrir la brèche. C'est presque de la peine pour ce pauvre mot. Intéressant. Je crois que tu dois lancer ces orbes d'âme dans le vide. C'est parti! Lucas! Des flèches, mon frère, des flèches! Oui, oui, oui. Ça, c'est de la merde ce que je viens de faire. Une pause, d'autres viendront. On peut pas passer par le centre, on peut pas sauter. Ça, c'est rapide. Garde-toi, mon frère. Il n'y a pas grand chose à dire hein, sur cet épisode. C'est juste du combat. Mais c'est fun à regarder sûrement, je préfère. Enfin, 16 sur 15. Ok. Je crois qu'il faut que je note les chiffres aussi que je fais. Quasiment sûr. Alors, fais voir maintenant. Épreuve ruée de boss, on l'a déjà fait. Déjà fait, réinitialiser. Putain, t'es sérieux quoi, il faut tout refaire. Oh là là, c'est relou. Après, c'est rapide, hein. Faut pas exagérer non plus, mais. C'est chiant quoi, quand même.
Genre là, j'ai qu'à faire... alors, gauche 1, et on va faire milieu 2. Mets tous les ennemis dans le temps imparti. Attention. Je me demande si on ne devrait pas utiliser la Berserker quand on fait ce type de d'événement pour tuer plus vite encore. Genre, est-ce que il y a les trucs qui s'affichent? Donc on a le F qui est activé. Je vais prendre l'armure de Berserker. Ça va sûrement pas faire de différence. Mais bon. Et là, on va faire milieu 2. C'est le moment. Intéressant. Je crois que tu dois lancer ces orbes d'âme dans le vide. C'est parti! Derrière toi, attention!
À gauche, attention. T'es en feu. Tu dois déjà le savoir. Derrière toi, prends garde. Scalpa. Allez, allez, là-bas. Un autre drogueur s'avance. Derrière toi. Il est rapide. Tu sais pourtant que c'est inutile. Viens pas. Et où la boule? Qu'est-ce qui se passe? J'ai merdé. Ah, tu vas me dire que c'est limité en monstre? Ok, merde. Ah, c'est de la merde ce truc. Tirons-en une leçon. Ok, on va faire le troisième. J'aime pas celui-là. Subissez continuellement des dégâts. Oui, ça c'est bien. Allez, un autre maraudeur sur la gauche. Tiens le pas. Un projectile. Pousse sur l'autre. Derrière toi, attention. Quoi? Ils font pas semblant. Ne t'en fais pas pour moi. Une flèche peut-être? Un projectile. Quel bordel. Quel pas. Calme-toi. Quel bordel. Ah, c'est super fun hein, de combattre, hein, parce qu'on a plein de trucs et tout qui s'activent, c'est magnifique. Hein. Là, c'est vraiment cool.
Alors. Rester en vie. Endurant, on l'a déjà fait. Là, je comprends pas le système, quoi. Attends, tu vas me dire qu'il y a... Ah non. Putain, il faut... Faut vraiment que je trouve un... Faut vraiment que je trouve quoi faire. Faut que... Enfin, dans quel ordre. Oh là là. Que je le fasse complètement au hasard, c'est une horreur. Alors, je sais pas si c'est un... C'est lié au chiffre ou pas. Alors on a fait quoi? Droite, gauche, gauche, droite, droite, milieu, gauche, milieu. Qu'est-ce qui nous manque? Ah, on commence par le milieu peut-être? Ça revient au même, non? Je comprends rien. Putain, mais je suis teubé. Je comprends rien du tout. Alors... Je dois être bête. Je voudrais le dernier truc. Voilà, très bien. Je dois être con. On va faire milieu. Les ennemis perdent plus vite de leurs blessures. Non, jeter les orbes à Brest, c'est chiant. Subissez continuellement des dégâts. On va faire milieu 3. Je peux y arriver. Tiens le pas. Attention, derrière. Attends, on avait ça aussi. Une flèche peut-être. Joli. C'est bien parce que dans un sens ça m'entraîne aussi avec avec les armes. Ça passera. Derrière toi, regarde. Attention. Par contre, je connais pas les combos avec les... Avec les dagues. Je connais pas du tout les combos avec les dagues. Bon après du métal rare hein, on va en avoir hein, putain, on va pouvoir en augmenter des armures et tout ça. Ça c'est bien que ça donne au moins 2500 d'argent, comme ça si vous avez besoin d'argent pour des pierres, c'est bon.
Bon, on a fait milieu 3. Et là, on est à droite. Hein. On va faire... Je sais pas si les chiffres sont en rapport. Droite... droite 3. Prépare-toi. Ouais, guerrier sans âme, hein, fait mal. Hein. Ouais, ah ouais, fait très mal quand même. Après, ça reste très dangereux à jouer avec ça. Attention, fou, tu es couvert de Bifrost. Ah ouais, j'ai vu ça. Autre calamité sur ta gauche. Comment on monte? Derrière toi! Ouais, c'est pas grave, on fait la pierre. Ah putain, est-ce que je vais avoir le temps? Il est où? Ok. Ah, y a pas à dire hein, encore une fois, hein, cette armure est dangereuse. Elle est trop dangereuse même. Elle reste trop dangereuse. Oh, faut pas la prendre. Les dégâts qu'on subit sont extrêmes en fait. Ça doit être doublé, voire peut-être même triplé honnêtement. Quand je vois ma vie qui part en un coup par un truc merdique. On va reprendre une pierre. Pourquoi il fait toujours si chaud ici? J'ai le sillon en nage. Hop. On a 439k, ça va? Reviens si tu veux d'autres trucs. Alors, NR. Ah oui. Oui. Massacre, rester en vie jusqu'à la fin du temps imparti. Ah ben voilà. Ouais, en fait faut regarder les lettres là qui s'inscrivent ici. D'accord. Putain, je viens de capter à la fin. Ça brûle ça. Faut rester en vie. Toi bien. Derrière toi, en garde.
Le retour, j'adore faire ça. Oh mon dieu, ouais, non, ça vaut pas le coup. On est limité en vie, hein, parce que il faut qu'il soit au centre. Allez, c'est parti. Ah, on peut monter dessus, genre sans se faire brûler. Quoi qui m'a touché. Par son attaque. Très bien. Derrière toi. Attention, frère, tout est couvert de bifrons. Viens pas. Il va falloir. Par son attaque. Putain, le truc qui... Kratos t'es en train de viser. Où est n'importe qui. Ok. Plus c'est une vouivre qui fait du bifrost. Putain de merde. Bientôt fini du coup. Pourquoi il fait toujours si chaud ici? 45 000. J'ai le sillon en nage. Bras brûlé de Surt, une armure lourdement renforcée. Je crois qu'on a le set entier de Surt. Je pense qu'on a le set complet. Surt. Ça,
c'est bien pour ce type d'épreuve, oui, en fait, quand il y a beaucoup ouvert. De... Enfin, c'est bien partout, honnêtement, j'ai envie de dire. Mais oui, quand il y a beaucoup d'ennemis, tout ça, on se prend des fois des baffes. Qui traînent un peu, les monstres aussi, il y en a beaucoup, ça traîne autour, et on se prend des petites baffes et tout, ça peut être dangereux. On va voir ce qu'on peut faire. Donc là, j'avoue que oui, cette armure est pas mal pour ça. On perd les runes. Ah, on gagne en vitalité, en force. Après, je vois pas trop, je peux pas me séparer de ça en fait. Je peux vraiment pas me séparer. Hein. Des pierres. C'est trop bien les pierres. Est-ce qu'on augmente l'armure de Furt? Les attaques gradées pour cesser, moins qu'il attaque, infiltration. Ouais, non, ça ne m'intéresse pas en fait. En fait, c'est, ce qui est marrant, c'est que c'est les parties de Furt qui sont intéressantes. Quand toi subit moins de dégâts et résiste mieux aux attaques déstabilisantes lors de ses compétences et ses attaques de base. Avec ça, t'auras pas une seule égratignure. Avec ça, t'auras pas une seule égratignure. Peut tester. Peut tester. Avec ça, t'auras pas une seule égratignure. Avec ça, t'auras pas une seule égratignure. Donc on est à 202 de vitalité. Et après, on est protégé quand on fait des runes. On est protégé quand on fait des runes, on est protégé lors des compétences et des attaques de base, 40%. Je sais, les compétences, je sais pas, genre c'est tout ça. Et les attaques de base, donc en fait c'est tout le temps. On est d'accord. Et nous, en plus, on a les runes. Donc en fait, on est tout le temps protégé. Oh la vache. Alors, les 200 de vitalité, qu'est-ce qu'on peut mettre? Je peux toujours pas enlever ça, ça fait chier. Vitalité. Je peux toujours pas enlever ce truc à la con. Ce aplomb de Vanheim. À cause de du renouveau. Ah, ça me fait chier le renouveau. Hein, putain. Parce que sinon, avec de la vitalité comme ça, avec 202, on pourrait mettre la régène, par exemple. La régène suprême. Après, on peut jouer sans le Bifrost. Mais bon, le Bifrost, c'est pas mal quand même. Hein. C'est fun. Ouais, si j'enlève ça, le truc ne marche plus. Ah, ça m'emmerde, ça. C'est ouf. C'est ouf. Il nous faut une partie d'armure qui donne... défense, vitalité, force. Une partie d'armure qui donne du renouveau. Augmente les gains de permafrost et tout. Ouais, bof. Moins de dégâts à distance, non. Augmente les soins, non. La durée de tous les états infligés. Fais voir un peu. Prêt ? On va faire un mix d'armure. Alors, du renouveau. Alors, durée des états, c'est bien. Les attaques au corps à corps ont une chance faible de restaurer une partie du renouveau des attaques runiques de l'arme équipée. À la limite, ça, on peut faire ça. Ah putain, on perd 30 de vitalité, c'est relou. Parce que je regarde des trucs qui m'intéressent en fait. Ouais, mais on perd toujours de la vitalité de toute façon. Allonge la durée de tous les états infligés. Non, parce que de toute façon, quand il y a des états, ça veut dire que les trucs vont crever. Ça, c'est bien. Chance faible de restaurer du runique. Après, augmente le permafrost. Non, je pense que ça, c'est pas mal. Les bandes spirituelles à la limite. Ça devrait garder ton corps en un seul morceau. Là, on fait la ça juste vache, pour. Je suis beau ou pas? Juste pour utiliser ce qu'on a en réserve, hein, parce que. Avec ça, t'auras pas une seule égratignure. On fait des tests, quoi.
Avec ça, t'auras pas une seule égratignure. 110 de renouveau. Et on a 172. Oh, me dis pas que c'est 175. C'est 170. 170, ok, j'ai eu peur. Ok, parfait. C'est bien parce que en fait, on n'aurait même pas la vitalité aussi élevée si on n'avait pas eu le, on n'avait pas fait les quêtes secondaires. Donc là, on a du régène, la tempête et l'esquive. On a pas mal de vitalité, on a beaucoup de runes et du renouveau. Notre vie, on a une sixième barre, une sixième petite barre d'endurance. On est à 47 secondes. Après pour l'armure on a donc protection quand on fait des runes, on a une chance de taper, de restaurer les runes et on prend moins de dégâts quand on fait des compétences et des attaques de base de 20%, c'est énorme. Bon bah ça devrait être pas mal ça, ça va être marrant. Alors, c'est marrant parce que NR il est pas allumé, pourquoi? Ça veut dire qu'on l'a fait, c'est ça? FN, FR. Ça, je comprends pas du tout par contre. N et R. Tu veux que je fasse N et R, c'est ça? On l'a fait, ça. N et R. Là, c'est quoi, là? N. Il me faut N. Donc N. Je sais pas, les trucs allumés il faut les faire ou les trucs allumés ça veut dire qu'on les a fait? Moi je dirais que c'est ceux qu'on a fait. N et R, oui on l'a fait, milieu et droite. Oui oui, N et R on l'a fait. Donc faut faire les choses qu'on n'a pas fait, je crois. J'en sais rien, je comprends rien du tout. Alors FN, vas-y, on va tester. On va tester si ça marche comme ça. C'est reparti. Ils ont peur de venir ou quoi? Full vie. Ah, le régène, ça peut aider si on joue comme ça, j'imagine. Je sais pas. Un autre drogueur sur la gauche. Tiens le fort. Elle est où la main? Derrière toi. Lucas!
Je sais pas si j'aime jouer sans les pierres, honnêtement. J'aime beaucoup les pierres. Avoir des pierres un peu partout. Donc là, on l'a fait gauche. Et ça donnait N. C'est ça. Pas du tout. Ça donnait F. F, oui. Maintenant, on veut le N. Je comprends rien du tout. N. C'est R. N. C'est ça que je vais faire, c'est pas grave. J'ai tendance à faire ça par erreur. Ouh, ah, il l'a tué en fait. Alors là j'ai pris un coup, mais est-ce que j'ai pris moins cher? J'ai pas pris cher, on va dire, c'est vrai. Mais bon, ils sont pas très forts non plus. Un peu chiant ce truc. Milieu 1. Ça devrait nous donner FN. Donc là, on a fait un truc qui était éteint. Une combinaison qui était éteinte. Genre là-bas. Là. Ça là. FN. Endurance. Donc... c'est pas bon. Putain de merde.
Je comprends rien du tout. Alors, NF, ça correspond à quoi? Alors, NF, ça c'est R. NF, du coup, c'est milieu et gauche. C'est reparti. Oh putain, ça tue. Bon, moi, ça fait de la farm, hein, mais bon. Alors, on va prendre... ouais, milieu 3. Je sais pas si les chiffres ont besoin d'être marqués. Mais... Jette-moi sur eux, je les mordrai à la gorge. Non. Jette-moi sur eux, je les mordrai à la gorge. Attention, derrière! Non, là! J'ai l'impression que les attaques reviennent plus vite, les attaques chroniques aussi. Je suis pas sûr. En théorie, elles devraient. Ah, j'ai eu renouveau. Être le renouveau des runiques là, ça c'est pas mal, mais ouais, ça arrive rarement, c'est vraiment une faible chose. Mais non, faut les éteindre en fait. Donc F maintenant. Le F il est à gauche, c'est ça ? Ouais, il est là. Alors attendez que j'écrive tout ça. NF. Je les écris sur un texte parce que je suis pas complètement sûr que ça marche comme ça. Je sais pas si les chiffres en fait ont besoin. Normalement. Et il met moins de nuits dans le temps. C'est parti.
Vise sa garde. Reste pas là. Changement de flèche. J'adore quand les trucs s'affichent en à gauche là de l'écran. Bon, elle est pas mal cette armure, mais il faut des trucs plus haut niveau. Ce combo d'armure là qu'on a fait. On a beaucoup de défense et enfin, on résiste bien. Et du coup, on a un régène permanent. Et on a beaucoup de vie, beaucoup de rage aussi. Donc, bon. Donc là, ça devrait être nouveau. Ok, anneau de feu, restez à l'intérieur du cercle. L'anneau bouge. Oh, ça tue. Super ce truc. Ouais, c'est là la baron. J'arrive pas. Est-ce qu'elle est bien cette armure? Je sais pas maintenant.
rapide. Ça va. Je pense que là ça aurait été compliqué en fait de récupérer une pierre. Enfin des pierres, je sais pas. Pourquoi il fait toujours si chaud ici? J'ai le sillon en nage. Toujours avec cette même intonation. Alors, on a encore un peu d'argent, ça va. Alors, on a eu du Muspelheim encore. Défense 12, c'est pas mal. On peut rien augmenter. Qu'est-ce qu'il te faut ? Attends, possession. Non. De toute façon, il ne reste plus grand-chose à augmenter, faut être honnête. Un besoin spécial. Après, est-ce qu'on peut mettre autre chose que les trucs spirituels? Parce qu'il nous faudrait un peu de chasseur, mais ça n'intéresse pas, c'est à distance. Il nous faudrait du renouveau en fait. La durée des effets. On gagnerait des runes à la place du renouveau. Non, ça sert à rien en fait. C'est pareil. Comme tu veux. Alors maintenant c'est F et R. Bon ça va, il n'y a pas besoin de marquer les choses. Je me compliquais la vie pour rien. Ça va bien, on va bientôt finir. C'est cool. Ouais. Ils arrivent. Renouvellement restauré. À gauche, mon frère. J'ai activé mes lames pour plus ou moins rien, c'est bien. Tu brûles, Kratos. Ça passera. Là-bas. Derrière toi, frère. Il est rapide. Pas mal.
suis content, honnêtement, ça me lasse pas. Même si on a refait, j'ai refait un peu pour rien là. FR, le R maintenant. Au début, on gagne toujours des ressources et tout ça, donc c'est pas vraiment important de le refaire plusieurs fois. FR. Ah, et puis le gameplay est super fun. Là, ça y est, avec nos différentes armures et tout. Là, on fait. En plus, ça nous fait faire des tests, c'est bien. Préparez-vous. Quoi ? Moi aussi ? Oui. Viens la force ! C'est un peu de poil. Et voilà. Ah, ce combo d'armure est intéressant. C'est pas le meilleur, mais ça fait beaucoup de défense en fait. Et c'est vrai que dans ce mode de jeu, c'est sympa. Je veux dire dans le mode de difficulté. Hein. Genre on est résistant quand on fait quand on tape normalement. On est résistant quand on fait des runes. Et puis après nos runes ont une chance de revenir plus rapidement. Puis en plus ça va bien au final. Okay. Sympathique. Alors ça va être quoi? Brise bouclier. Tuer les soldats pour briser le bouclier de l'élite. C'est parti! Attention frère, tu es couvert de bifrons. Pourquoi je suis ralenti comme ça? Assieds-toi! Mais je dois tuer tout le monde. Mais putain de merde, mais... C'est du poison, c'est pas de la glace, bordel. Mais c'est quoi ces ralentis là? Ouais, bah là on est un peu dans la merde. Waouh, okay. Ok, cool. Putain, non, on n'a pas pris cher. Je crois que ça c'est grâce à l'armure. Les cornes brisent, les têtes sont trop faibles. Faut le tuer, faut le finir lui. Oh la vache. J'arrive pas à faire la tempête de Bifrost. Je time mal mes trucs.
Krato. Ça passera. Sur ta gauche. Putain de merde. Oh là là, merde. T'inquiète pas, on n'a pas fini. Attention à gauche. Il est où l'autre? Attention. Oh, comme elle est relou. Tu peux la tuer ou pas? Bravo! Nous avons obtenu toutes les récompenses que ce bon Surt avait à offrir. L'acier plie devant vous. Oh, hé! C'est super! On a réussi. Eh ben! C'est fun! Putain de merde. Qu'est-ce qu'on a récupéré? Je crois qu'on n'aura plus jamais de problème d'argent. Pourquoi il fait toujours si chaud ici? J'ai le sillon en nage. C'est rien. J'ai le sillon en nage. 624k. Eh ben quand tu veux. Vestiges renforcés, on ne sait toujours pas où trouver ces merdes. Alors, les attaques guidantes réussies à la hache permet désormais de pas avoir de lancer pression pour les figer un plus de charge. Non, c'est pas intéressant. Bon, on peut peut-être le changer pour autre chose, mais. Non, honnêtement, non. Non, parce que ça nous permet. Quand je perds ma frappe. Non, c'est trop chiant. Non, ça nous permet de tout simplement nous soigner en fait, c'est une façon de nous soigner, donc c'est top. Les lames du chaos, on n'a pas. De toute façon, les lames du chaos, comme j'ai dit, on joue pas vraiment avec, on tape pas vraiment avec. Elle est très bien, avec la rage. C'est nickel. Non, le build est super, là. Le build est super. Après, je sais pas ce que ça vaut contre un boss. Alors, tu as fait ton choix. Je sais pas du tout ce que ça vaut contre un boss. Donc on est protégé en relique, on a une chance de récupérer et on est protégé en normal. Donc c'est 20%, là on a 10% d'avoir une restauration. Ah non, je crois que c'est une chance faible en fait d'avoir 10% de restauration. Je crois que c'est comme ça. Ouais. Prends bien soin de toi. Non découvert, il y a un truc qui manque. Je sais pas ce que c'est. On découvrira sûrement plus tard. Ah, on peut le refaire, on peut tout refaire. Épreuve. Je veux bien faire une, voir si ça la coche ou pas. Kratos ? Je veux bien la refaire une fois et on voit si ça coche quelque chose, est-ce qu'on récupère des trucs. Viens pas.
Oh le pute. Les flèches, merci. Ok, très bien. Pour m'enlever le feu. Ouais, ça va, on régène bien. Ce qui est bien, c'est que le régène n'est pas arrêté en animation, et en animation, on est invulnérable. Ah, ça me fait rire, moi. Même aveugle, on y va quand même. Sur le mauvais, c'est pas grave. Ah, le chien, il est en train de manger, quoi. Regarde.
jamais eu le renforcement. À chaque fois, j'oublie qu'il existe, mais bon. C'est surtout pour les stats, en fait. C'est de la pure défense, le rond qu'on a mis sur le bouclier. C'est magnifique, quoi. Donc. Très bien. Encore un drogueur sur la gauche. Ah merde. Skelfa. Eh, suivant. Derrière toi. C'est parti. Ah, la tempête, elle n'existe plus quand on est dessus. J'ai cru qu'elle y était, mais en fait non, pas du tout. Poison, c'est magnifique. Appelle au chien, là tu les as pas. Derrière toi, mon frère. Putain, l'excès de rage, là on en a eu, hein. Oh la vache. Derrière toi, en garde. Y'a le pas. Ah ouais, bienvenue. Derrière toi. Attention. Putain, j'étais full Bifrost. Ma vie, elle était 90% de Bifrost. Qui brille, nos armes, notre bouclier et tout.
Non, non, ok, d'accord. On peut juste les faire pour le fun. Je me suis dit peut-être qu'il y a des récompenses encore supplémentaires, mais non. Pourquoi il fait toujours si chaud ici? J'ai le sillon en nage. Bon, bah nickel. Nickel, nickel, nickel. Il était temps que je m'occupe. Bon, au final, ça marche bien, ce... Je voulais faire un build un peu pareil. Ça marche plutôt bien. Genre on prend pas trop de dégâts en fait quand on se fait taper, même en mode God of War. Ouais, c'est bien. 20% de défense quand on fait des compétences et des attaques de base, donc c'est top. Là on a une chance de restituer. Ça c'est juste pour la restauration, juste pour le renouvellement en fait. Honnêtement, je sais pas quoi mettre d'autre qui peut être bien. Il y a le... Je crois qu'il y a la durée des effets. Attendez. Renouvellement. Alors distance. Mais bon, ça c'est pas intéressant. La durée des effets. Ça peut être intéressant. Mais bof. Pourquoi pas. 25% de durée des effets. C'est pas vraiment. De toute façon, une fois qu'il y a un effet, ou le truc meurt, ou c'est un boss. Du coup, l'effet qui dure plus longtemps, 25%, c'est pas beaucoup. Ça sert à rien. L'augmente de permafrost, ça peut être intéressant. Enfin, de perma, immolation, tout ça. Si vous aimez jouer avec ça, moi j'aime pas. Enfin, c'est pas vraiment ce que je vise. Et là, en renouvellement 90, c'est très potable. C'est très potable parce que les choses reviennent très très vite. Toutes les habilités reviennent très vite. Ah tiens, on a compétence. Ah ben voilà, là on en a fait des trucs. Alors, ouais, ça c'était bien l'enchaînement là. Petit enchaînement de dagues là, j'aime bien. Dropnir, tu as eu jeté Dropnir. D'accord. Ah, j'ai fait surtout la version chargée en fait. C'est marrant ça, tiens. Appuyer sur R1 pour jeter, lancer, dropnir, planter en surface. Puis... Ah, attends, c'est le jet de lance ou c'est le triangle? Oui, c'est le jet de lance. Là, moi j'ai mis quoi? Charger, étourdir. Et là, on a. Ça, c'est le triangle, ça c'est pour faire plus de dégâts, oui. Après, le lancer en lui-même. Je sais pas trop. Le lancer en lui-même. J'ai mis étourdissement. Ça fait super mal en fait. Les lancers de Dropnir. Donc à la limite, moi je dirais dégâts en fait. Pour tuer les trucs de loin. Je dirais dégâts. Par contre, le lancer de hache. Le lancer de hache, ça étourdissement. Tout avoir au bout d'un moment. Bon, on arrête. Parce que j'ai envie de garder de l'expérience. Bon, bah nickel, on n'a plus besoin d'être là. Il y a juste un non découvert, on verra ça après. Enfin, plus tard, dans le jeu, j'imagine. Parce qu'il n'y a pas d'autre endroit où on peut aller. Voilà, donc nickel. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Midgar, on a fait tout ça. Je crois qu'on peut se relancer dans l'histoire principale. Il y a ça, là, la pierre tombale. Ah, on peut aller voir ça. Vite fait. Genre voir si ça déclenche une cinématique ou un truc comme ça. Midgar. Est-ce qu'il nous manque vraiment une tombe à faire de Berserker, ou alors... Direction Midgard, hein. Il peut rester des lieux à explorer. Ou alors, allons-y. Est-ce que... Il faut maintenant tuer le roi. Parce que je crois bien que le Berserker, on a toutes les parties. Je me rappelle plus. On a toutes les parties. On a le body, ça c'est sûr. Berserker... Ah non, on n'a pas les gants.
On a la taille par contre, je sais. Berserker. C'est une des premières parties qu'on a récupérées. Ouais. Non, donc il manque une tombe. C'est bien parce que ça charge pendant qu'on est dans le menu. Il manque une tombe vraiment. Par là. Donc c'est... Il manque encore un truc à faire. Ouais, il manque vraiment un truc. Ça marche. Peut-être dans un autre lieu, j'en sais rien. Bon bah du coup... Du coup on a fini. Pour le moment, on a fini tout ce qu'on peut faire, je crois bien. Il n'y a pas un truc, un coffre enfoui qui reste? Non? Non, non, on a fini tout ce qu'on a accès, on a fini. Vanheim, c'est encore du non découvert. Putain, je suis content, ça se passe super bien en fait. Alfheim. Faut que je regarde où il est le dernier géant de pierre là à tuer. Ah, on peut faire ça peut-être vite fait. Je sais pas si on y a accès. On a tué combien? 2, je crois. Vous savez les géants de pierre où il faut le truc spécial là. La relique. Je reviens, je vais regarder ça. On retourne à Vanheim ? On a pu rater quelque chose. D'accord. Ok, donc on retourne à Vanheim. Il est à Vanheim, le dernier géant. Il est dans le jardin de Naotun. C'est les deux qu'on avait vus, mais bon, j'ai pas de mémoire, moi. Je me rappelle pas. J'ai pas du tout de mémoire. Donc je suis allé regarder. Mais ouais, on les a déjà croisés. C'est pas un, c'est deux. Et j'en avais même parlé quand je les avais vus. Ah, regardez, ils ont l'air sympas ceux-là. Du coup, on va mettre la relique. L'étage mystique. Et ça, de ce que j'ai vu, c'est pas du tout... nécessaire de le faire, il n'y a pas de mission, il n'y a rien. Le jardin de Naotun. Ah putain, on aurait dû se téléporter là. C'est pas une mission, quoi que ce soit. Il n'y a pas de quête, il n'y a même pas de succès, je crois. Donc, c'est du... T'es sérieux, là? Je fais comment, moi, pour passer? Ah putain, Vanheim, ça me gave. Bon, je me suis gouré de portes de toute façon, donc on va reprendre une porte. Ici. Le seul changement qui m'intéresserait pour notre équipement, ce serait une nouvelle relique qui soit vachement bien. Pour l'instant, les chakrams de Bifrost, ils font le boulot. Mais peut-être genre un buff, je sais pas, une protection ou un régène. C'est assez énorme d'avoir autant de rage, quoi, c'est abusé. C'est vraiment cool.
Il y a des gens qui jouent en mode God of War, j'ai vu. Quand je regardais les streams vite fait, il y en a qui jouent en mode God of War. Et je peux te forger de nouveaux objets. Genre, ils font quasiment pas de secondaire, quoi. Et après, ils passent genre 3 heures sur des boss, mais d'histoire. Je veux pas dire, mais des boss d'histoire, ils sont pas difficiles parce que c'est l'histoire. Donc ça monte progressivement en difficulté. Putain, c'est pas... Oh là là. Ça va me rendre fou, ce truc. C'est... Ça monte vraiment doucement pour l'histoire. Comme ça, vous pouvez vous concentrer sur... que sur l'histoire. Mais en mode God of War, oui, bah ça fait mal, quoi. Donc, perd du secondaire, quoi. Vous avez vu notre vie, notre rage et tout ça. Là, ça se passe bien. Ah, ils sont là. Ils sont là. Il m'a gelé, le mec. À ta droite. Tu les brûles, Kratos. Ça passera. Ah oui, les rochers, j'avais vu. Viens, ça doit faire mal, mon frère. J'avoue. Ah, si on fait pas le bon élément, on est gelé en fait. Intéressant. Ça va les dégâts, non? Tiens fort! Plus de trolls. Tu t'en es assuré. Ça s'est bien passé. Ouais, ils étaient sympas, eux. Genre, si on tape froid sur le froid, du coup, ça nous gèle. Donc, intéressant. Pierre de sommeil, nickel. Le logo, il est trop bizarre. Ça fait pas du tout une pierre. En fait, c'est un tas de pierres, genre des galets. Les uns sur les autres. Avec une lune à côté. Mais en fait, ça fait pas du tout ça. Ça fait autre chose, hein, on est d'accord. Alors, relique. Chakra de Bifrost. On a récupéré ça. Foulée prééminente. Les esquives in extremis augmentent le gain. Ah, ça c'est cool. C'est pas pour nous, mais c'est cool.
On va pouvoir faire toutes les parties de l'armure maintenant. Alors comme ça on chasse le troll, hein? Ça tombe bien, je peux te faire quelque chose avec ce qu'il laisse tomber. Ça. Attends, il me manque plus que ça. J'en ai deux. Ouais, c'est que c'est bon. Avec ça, t'auras pas une seule égratignure. Ça devrait garder ton corps en un seul morceau. Très bien. Elle est super jolie, celle-là, quand même. Hein. Puis la défense, elle est complètement absurde, en fait. Elle est complètement absurde. C'est vrai que j'aime bien celle-là, quand même. Enfin, bref. Stainborn. Elle est vraiment jolie, j'aime bien. 122, 190, elle est à 190 en maximum. Ah, mais du coup... Voilà. Normalement, on dépasse la barre, je sais pas comment ça... je sais même pas si c'est compté, en fait. La barre au maximum, ça doit être 500. Je sais même pas si c'est compté, en fait. C'est comptabilisé le plus. Mais ouais. Si on met ça, par contre, on perdrait quoi? On perdrait de la rune, de la vitalité... On gagnerait énormément de défense. Je sais pas. J'ai envie de dire, ça vaut peut-être le coup. Hein, cette armure. Sinon, les parties normales, elles font quoi? Elles font que de la défense force. On perdrait du renouveau à fond. Donc ça, on peut pas s'en permettre. Et là... Elle est ouf. Là, on perdrait quoi? Un peu de vitalité. Mais après, non, les effets des parties, c'est de la merde. Chance modérée de déstabiliser l'ennemi à proximité et de leur infliger des dégâts d'étourdissement lorsque vous subissez des dégâts. Non, c'est pas intéressant, ça. Par contre, le corps, si. Je trouve le corps intéressant. On perd un peu de force et de runes, par contre. Mais bon. Je sais pas, moi, je veux bien l'augmenter. La vache, je suis bon ou pas? Parfait. Ça devrait garder ton corps en un seul morceau. On est à 521 de défense. Est-ce que tout marche sur l'amulette? Ah merde. Ah, c'est 170 d'essence. Ah, fait chier, on n'a pas le régène. Et on n'a pas ça non plus. Ah oui, on a 2 à 170. Ah merde, on peut pas le faire. Ah, c'est con ça. On n'aurait pas la tempête et on n'aurait pas le régène. Oh... Alors. Bon. Bon, bah non. C'est con. C'est con, j'aurais bien voulu faire ça. Mais là, non, on perd trop. La tempête, honnêtement, elle est vraiment cool. Après, on peut jouer sans, hein, c'est pas grave. Mais la tempête est vraiment cool. Le régène, je me suis habitué. Et on peut pas rattraper, hein, je crois pas. Je vais voir un peu. On va juste regarder vite fait. Si on peut rattraper, en fait, notre retard sur les stats. Mais ça m'étonnerait. Genre là on a quoi? Là on a du pouvoir unique et vitalité 3, c'est nul. Après en bleu, à moins qu'on enlève le bleu et qu'on mette autre chose. Force, défense, défense. Renouvellement. Mais après on va devoir faire des trucs aléatoires. On peut faire, attends, on peut faire un truc...
Attendez. Je vais prendre un screenshot. Enfin non, je vais prendre une photo avec mon téléphone de ce qu'on a mis. Pour être sûr et certain que j'oublie pas. Voilà. Et il n'y a pas de bouton pour build dans ce jeu. Donc, il nous faudrait de la vitalité et des runes. Il faut 170 les deux. Alors, vitalité. Oh putain. Vitalité. On arrive à 170 de vitalité, mais la rune, jamais on y arrivera. Jamais on arrivera à 170 de runes. Qu'est-ce que ce sera ? Là, on perd trop. Ah, quoique. Peut-être les de brassard éternel, là. Si on l'augmente au maximum. Ah non, 166. Non, même pas. Non, j'ai rien dit. Étoile déchirée d'une nettement et dégâts subis à chaque utilisation de ta chronique. Ah! Ouais, mais là, je perds le renouveau. Oh là là! Berserker, régulièrement de dégâts infligés par les attaques corps à corps, quand même, aussi des dégâts subis. Ah, mais non, mais je suis dans la cuirasse, putain, désolé, je fais de la merde. Renouveau, rune. Non, il me faut 70 de renouveau aussi. Là, on gagnerait 8, ça ferait 160 et quelques, donc c'est mort. Non, c'est mort. C'est con, je voulais bien avoir tout, mais on peut pas. Enfin, en tout cas, pour l'instant, on peut pas. Je sais pas quoi faire. Je sais pas. On se remet comme on était. Je voulais vraiment avoir une défense de fou, quoi. Pour le fun. Alors. On avait dit, nous. Les brassards. Pour du renouveau. Très bien. Je regarde encore si on peut pas mettre quelque chose de spécial. Et maintenant... Quoi ? C'était juste pour voir ? L'amulette... Donc. Donc nous on veut. On a quoi? Les dégâts à distance, on a les armes triangle, on a les dégâts au corps à foie infligés contre les ennemis sous l'effet d'un état, ça peut être bien, mais je pense qu'on va rester avec l'étourdissement. En fonction de la défense. Bonus d'ensemble augmente les dégâts. Attaque corps à corps infligés par corps. Non. Après les dégâts au corps à corps, je sais pas quoi, parce qu'il est plus de 75% de sa santé. C'est intéressant aussi. Mais ouais, non, je crois qu'on va... On va remettre ce qu'on avait. Alors, vitalité et défense. Je regarde les trucs un peu mieux.
Genre celui-là. On gagne 20 de chance pour moins 3 de défense et moins 8 de force. Ça vaut le coup. Ouais, c'est ce qu'on avait, je crois. Et voilà, et tout est activé. Tout est bien activé. Ouais, on est nickel. Je fais juste une dernière vérification des bijoux et puis on va s'arrêter là. Vitalité, chance, renouvellement et défense. Pour les bijoux de Jotunheim, je crois qu'on en a un extra. On peut faire plus de runes. Intéresse pas vraiment, on a déjà 200 de runes, c'est beaucoup. Et voilà. Et voilà, voilà, voilà. On est bon. Après, je pense qu'il y a un moyen de faire avec l'armure de géant, là, le corps, pour avoir énormément de défense. Puis après, on met que des trucs un peu aléatoires pour avoir genre la vitalité. Comme ça, on a le régène en plus. Mais bon, après, c'est pas vraiment très efficace, du coup. Là, là ça va, on a du matériel qui est efficace. Entre, genre, réduire les dégâts qu'on fait des runes, restaure une partie des runes, et moins de dégâts, attaque de base et compétences. Donc bon. On peut pas faire mal, quoi, là. Voilà, on va s'arrêter là. Hey, Héraclès, Héraclès. Allez, on va s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir regardé, c'était du pur secondaire et ça s'est super bien passé, on a tout fini, on a récupéré énormément de trucs, on a plein de d'armures et tout qui sont au niveau, qui sont quasiment finis. Le bouclier il est fini aussi, on a plein de trucs, on a vraiment plein de trucs. Notre build de bijoux là il est cool. De rage, ça nous fait une barre et plus de rage en plus, je crois. C'est énorme, c'est vraiment cool. Plus d'étourdissement, on a un régène qui est au final, bon, c'est potable. C'est les régènes, comme j'ai dit, en général, c'est de la merde. Mais après avoir testé tout ça, c'est quand même assez potable. En fait, c'est bien parce qu'on joue plus avec les pierres, du coup. Voilà, donc il faut un peu de régène, il faut du soin quelque part. Si on joue plus avec les drops de pierres là. Pierre de rage, pierre de soin. Donc ça compense. On a toujours la tempête de Bifrost qui fait extrêmement mal. Qui va extrêmement bien. Et l'esquive, je peux pas jouer sans, honnêtement. Vraiment pas jouer sans. Donc ouais. On a un bon build là. Un bon build. La lance, elle est très bien aussi. Le talon pour récupérer de la rage, nickel. Les lames, c'est le manche qui donne de tout. La hache, c'est pour aussi régénérer de la vie. Donc ouais. Il n'y a que les reliques. Je voudrais bien une nouvelle relique, en fait. Genre plus intéressant que ce qu'on a. Mais je pense pas que... Ouais, on verra. On a 789k d'argent. Ça, c'est cool. On a un dieu riche. Allez, à la prochaine, portez-vous bien, ciao ciao.